Alors là derrière, non, c'est une voiture électrique classique. En fait, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie de la batterie, de la voiture électrique classique, la pile à combustible sont un peu concurrentes. Donc nous, on tient à travailler un peu sur les deux sujets pour savoir, essayer de devenir un peu mieux, de quoi l'avenir sera fait et le préparer. Voilà, alors ici, ce qu'on fait plutôt, c'est l'application de piles à combustible dans la navigation. Puisque les constructeurs automobiles s'occupent de leur voiture avec la pile à combustible, nous avons choisi de tester cette technologie dans la navigation, dans le sens où nos sources et nos lacs, disons, sont des sources d'eau potable. Et nous pensons que ça peut être un avantage de protéger les eaux et en proposant ici une navigation exempte d'émissions polluantes avec des bateaux à pile à combustible. Donc ça fait une dizaine d'années que nous testons cette technologie et que nous l'appliquons à des bateaux de plus en plus gros. Vous avez ici Hydroxy 300, qui est un de nos premiers bateaux, qui fonctionne avec une pile de 300 watts simplement. Alors, vous avez la pile à combustible ici de 3 kW que je peux vous montrer en détail. Voilà, alors ici vous avez une petite pile de 300 watts, c'est celle qui a traversé l'Atlantique. Vous avez la pile à combustible qui est proprement dite ici, plus les systèmes de contrôle ici, contrôle électrique, contrôle de l'humidité qui sont en dessous. Alors ici, vous avez une petite maquette qui explique comment on peut faire de l'hydrogène de manière renouvelable. Vous avez ici un panneau solaire qui va alimenter une pile à combustible utilisée à l'envers, c'est-à-dire comme un électrolyseur. On va mettre de l'eau ici, cette eau va être électrolysée, puis on a l'hydrogène qui va sortir et être stocké dans ce petit récipient. Suite à ce stockage, on peut ici déstocker l'hydrogène dans une pile à combustible pour faire fonctionner notre moteur électrique. Alors, voilà la pile de 3 kW. La pile proprement dite se trouve là. C'est cette partie qui va générer l'électricité. L'hydrogène arrive par là derrière directement d'une bouteille d'hydrogène comprimé à 200 bars, tandis que l'air arrive ici au moyen de ce compresseur. Là-devant, vous avez un échangeur de chaleur qui nous permet de régler la température de cette pile. Et sur l'arrière, ici, vous avez des automates qui nous permettent de gérer l'ensemble du système pour qu'il fonctionne à son meilleur point de rendement.